Et salut à tous et à toutes les amis, c'est Periado. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Tu perds, tu arrêtes la vidéo. Aujourd'hui, nous sommes avec Béa, vous me l'avez demandé. Et ça tombe bien puisque Béa, je l'aime énormément. C'est un petit sniper que j'aime beaucoup. La map est assez compliquée pour Béa, mais on devrait plutôt bien se débrouiller. Mais bon, ça devrait être quand même assez compliqué. J'espère que ça va bien se passer et que je vais pas me prendre un karma puisque Béa, je l'aime énormément. Pour rappel des règles, il faut être dans les 3 premiers du survivant solo. Si nous ne sommes pas dans les 3 premiers, bien sûr, la vidéo s'arrête. Les 3 premiers, tout simplement parce qu'on gagne les trophées et sinon ça serait beaucoup trop dur pour faire que des top 1. Allez, c'est parti. On espère que ça va bien se passer, mais Béa, je pense qu'on peut bien gérer. Mais ça va être compliqué quand même, hein. Ça va être vraiment très compliqué pour le coup. Mais c'est faisable, c'est faisable. Ok, il y a Nita là-haut. On va prendre les bois tranquillement. Oh, Nani, Nani, il est pour nous. Normalement, j'ai un bon shoot. J'ai dit bien normalement. Par contre, si on se fait encercler, ça va être un peu plus compliqué pour nous. Mais bon. J'ai dit que j'avais un bon shoot parce que je pré-shot. On va pas dire bien, mais je devrais bien m'en sortir. Mais si j'arrive pas à pré-shot, par contre, ça va être un peu plus compliqué pour nous. Ok, là pour le moment j'arrive pas du tout, donc c'est un peu la merde. C'est clairement la merde. Là je suis en train de le prendre le Nita. Faudrait que le Nita il tombe sur quelqu'un. Hein. Oh là là, j'ai n'importe quoi là. Ouais, franchement je l'emmerde vraiment le Nita. Hein. Ça se sent que je l'emmerde. J'ai pas envie de le mettre et de le gaspiller bêtement en fait, c'est surtout ça. C'est bon là, on l'a. Avec Béa, faut être hyper patient quand on le joue. Vraiment hyper patient. Mais si tu sais bien jouer, Béa, franchement, il y a vraiment moyen de faire quelque chose de bien. Mais faut être patient avec Béa. Faut vraiment être patient pour le coup. Il faut vraiment, vraiment faire attention. Faut regarder de partout. C'est ça qui est compliqué avec Béa. Faut vraiment regarder de partout. Mais il est faisable. Il est faisable. Il est large faisable. On est quatrième. Franchement, on va se mettre dans le coin. On va se mettre dans le coin. Je pense que ça va être beaucoup plus simple pour nous. Et là, il faut juste faire des kills comme ça. Hein. C'est bon. Ouh! On est trois. Là, on est qualifié déjà. On va dire qu'on est qualifié. Maintenant, j'ai pas envie de. Ah, oh, il s'est montré. Il s'est montré. C'est bon. Yes! Oh mais là on est mort là. Oh mais non. Oh non mais s'il joue comme ça le mec. Oh non mais il joue n'importe comment aussi là. Franchement on aurait pu faire top 1. On a très mal géré pour le coup. Mais bon. On fait quand même une bonne partie avec Béa. C'est assez compliqué hein, franchement à gérer. Mais je veux pas être dans des bushs jusqu'à sortie. Sinon c'est beaucoup trop simple. Le but c'est quand même de rusher, de faire une bonne partie. Et je crois c'est ce qu'on fait. Hein. Je pense que c'est ce qu'on fait en tout cas. Et on joue plutôt assez bien. Oh il y a une Béa là. Là, j'arriverai pas à l'avoir. Oh, il y a un monsieur M. Il peut nous faire très très mal, le monsieur M. Vraiment très très mal pour le coup. Je peux même pas le rush ou quoi que ce soit. Donc là, faudra se démerder comme ça, mais ça va être vraiment compliqué pour nous. C'est vraiment très très compliqué pour nous. On en a volé un, mais c'est pas fameux. Hein. C'est vraiment pas fameux pour le coup. Oula, lui on l'a vu. C'est un dynamite. Oh, on est dans la merde. Il nous a mis un. Va être compliqué pour nous tout ça. Je lance des petites mines comme ça, mais bon, c'est vraiment pour le faire bouger, mais c'est plus compliqué qu'autre chose. Ok, il y a un beau. Le beau, je peux l'avoir. Le beau, il est pour nous. Ok, c'est bon. Il est encerclé. Ah non, c'était un truc de Monsieur M, merde. Oh, il y a deux Monsieur M. On est top 3, on est top 3. Attendez-moi, on va le laisser seul, lui. Allez, là, ça va être du skid, là. Ça va être vraiment compliqué pour nous. Hein. Très, très compliqué pour nous. Ah ouais, non, mais il nous met deux coups. Il nous met deux coups, ça va être compliqué, hein. Mais bon, on fait quand même top 2, hein. Franchement, là, pour le moment, je gère vraiment bien mes survivants solo. Je suis plutôt content. On continue, hein. On n'est toujours pas mort, on continue. Franchement, ça sort vraiment bien, je suis content. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi dans les commentaires si je gère bien. Mais je crois qu'on est pas mal quand même. Hein. Je crois qu'on est pas mal. C'est pas si dégueu que ça.
Allez, là, on se prend toujours les boîtes. Et là, faut un maximum de pouvoir. Mais bon, c'est assez facile à dire. Ok, elle, elle est pour nous, la petite Polly. Oh là là, oh là là, on va se casser. Oh, je sens pas bien. Oh, je sens pas bien. Je sens vraiment pas bien pour le coup. Ouh. Ah si, je vois pas en plus. Oh, on a bien rush. Ouh. On a eu très très chaud parce que là on était mort. Hein. Honnêtement, on était vraiment mort. On a eu vraiment chaud. Elle, on l'a, lui, on l'a vu le bar tabac. Le bar tabac, on va pas se faire comme ça. J'ai envie de prendre le lion. Putain, oh, j'ai gâché mon multi pour ça. Là, je suis dégoûté. Hein. Gâcher le multi pour ça, je suis vraiment dégoûté en vrai. Il est là-bas, c'est bon, je le sais. Ah non, il est là. Oh non, oh, il a trop bien joué le Léon. Oh, le Léon, qu'est-ce qu'il a bien joué. Oh, je l'avais vraiment pas vu. Je l'avais vraiment pas vu pour le coup. Franchement, le Léon, gros GG, parce que là, wow, je l'avais pas vu. En plus, mon père moins 1. Franchement, pour le coup, on a vraiment perdu. Bon, on a quand même bien géré avec Nita, avec Béa. On se prend quand même 15 trophées. Ce qui n'est pas dégueu. Bon, les amis. Du coup, on se laisse là, c'est terminé. Hein. Malheureusement, on a perdu. C'est le but du jeu. Prochaine vidéo, ça sera sur le nouveau Brawl Pass. Ça sera sur le nouveau Brawl Pass et j'ai assez hâte. On a farmé quelques grosses boîtes. Donc, on ouvrira tout ça pour le prochain Brawl Pass. Et surtout pour essayer d'avoir le nouveau Brawler. Qu'est-ce que vous en pensez d'ailleurs du nouveau Brawler? Honnêtement, il est plutôt stylé, un super héros. J'aime bien la mécanique. J'aime beaucoup la mécanique. Maintenant, on va voir si c'est maniable à jouer. Enfin, je sais pas trop comment le dire, mais si c'est bien ou pas. Mais bon, on aura plus d'une trentaine de grosses boîtes. Ce qui peut être pas mal. Du coup, on va se laisser là. Et tout simplement, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu en bas de la vidéo. N'hésitez également pas à la commenter pour me dire vos avis et vos envies. Et surtout, quel brawler on fera la prochaine fois. Mais bon, la prochaine fois, il y aura d'abord un petit pack opening, etc. Vous verrez bien, il y aura quelques petites surprises. Mais vous verrez bien. Également, n'hésitez pas à vous abonner, tout simplement, parce que je vois que beaucoup de personnes regardent des vidéos qui ne sont pas abonnées. Ça me fera super plaisir et vous pourrez suivre tout simplement les prochaines vidéos. Allez, ciao, ciao les amis, à la prochaine.